la teste une Cybex au Salon de Paris. Alors une Cybex, là en un, on a beaucoup de comment de ce qu'on peut avoir sur une Human Motion grâce à comment ce pad central qu'on lève ou qu'on baisse. Sinon, contrairement au Human Motion qui glisse très bien, là ça glisse très très mal. Donc mauvaise qualité de poulie, de câble, pour un prix, alors c'est un peu moins cher que Human Motion quand même, et on peut faire beaucoup plus d'exercices. En plus ça c'est réglable, je sais pas si c'est une bonne chose, parce que c'est compliqué dans les salles d'avoir plein de réglages, et puis évidemment on peut le régler de haut en bas. Voilà. Donc plein de réglages, mais probablement trop complexe pour une salle.